à tous, BES Media en direct du marché noir avec Fadili Camara. Hello, comment est-ce? Fadili, comment vas-tu? Ça va, Dieu merci, ça va. Hé, hey, mannequin, ça c'est un rêve qu'on m'a mis en tête. Vous savez, je rêvais de quoi moi quand j'étais petite? Je rêvais d'avoir des cheveux longs et lisses pour ressembler à une princesse. Très ambitieux comme projet. Non, c'est que comparé à mes copines de classe, c'était chaud. Leurs cheveux, c'était du genre Angelina Jolie, moi c'était un bail de Camini, vous voyez ce que je veux dire? Et peu importe ce que je faisais, j'avais des critiques. Hé, hey, si je faisais un afro, j'entendais, Fadili, t'es sérieuse là? T'as pas de peine chez toi? T'es au courant que la moquette est sur le sol? Bah, du coup, j'ai fait quoi? J'ai commencé à faire des tissages, des extensions, pareil. Hé, Fadili, t'es sérieuse là? Tes cheveux ont poussé depuis hier. Donc, tu es comédienne humoriste d'après la rumeur. Parce que les gens disent. C'est ça. On pourrait penser que tu as commencé en fait avec le Jamel Comedy Club au niveau de la scène. En fait, ta première scène fut au Folies Bergères le 16 mars 2013. Ouais. Donc, peux-tu parler justement de tes débuts dans la scène humoristique? Ouais, et ben moi, ma première scène, en fait, ouais, comme t'as dit, c'était le 16 mars 2013 au Folies Bergères. C'était un événement qui s'appelait le Samba Show. Je me rappelle que moi, je voulais pas forcément être humoriste. Donc, en vrai, j'avais rien à perdre. Je suis juste allée voir le producteur, il était pas trop chaud au début. Il m'a dit, bon, vas-y, fais. Et au final, moi, j'y suis allée. En mode, je m'en fous. Et ça s'est tellement bien passé que je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que j'aime faire. Parce que moi, j'aimais bien, comme beaucoup de personnes, amuser la galerie en cours. J'aime bien m'amuser. Je suis une jeune fille comme beaucoup, tu vois. Et je me dis que je peux retranscrire tout ce que je suis, tout ce que j'ai envie de raconter sur scène. Et c'est trop bien en vrai, c'est trop trop bien. Tu as en fait une particularité qui est d'avoir, si je peux dire, quatre cultures, donc française, sénégalaise, marocaine et guinéenne. Donc quel pays, en fait, lequel de ces pays t'inspire le plus dans tes sketchs? Franchement, c'est dur. C'est dur pourquoi? Parce qu'en vrai, c'est tous des pays africains, sauf la France. Si, la France est un pays africain aujourd'hui parce qu'on est plus que... Pour moi, il y a beaucoup de choses communes. Il y a beaucoup de choses communes à relever. Donc non, c'est un peu compliqué de répondre à la question. Mais maintenant, puisque vous me forcez, vous me mettez ce couteau sous la gorge parce que vous ne voyez pas ce qui se passe en dessous, eh ben, je vais le dire. Je dirais que c'est plus le Sénégal. D'accord. Parce que je n'ai jamais été en Guinée. Le Maroc, j'y suis allée pour la première fois il y a 2 ans. Donc je ne connais pas tant que ça. Mais le Sénégal, voilà, ma mère... Elle est née en Guinée, mais elle a grandi au Sénégal. Ses parents vivaient au Sénégal, donc en fait, on a vraiment tout pris de là-bas. D'accord. Donc voilà. Est-ce que tu peux un peu développer sur ton expérience au Marrakech du Rire 2016? Franchement, le Marrakech du Rire, jamais j'aurais pensé que j'irais là-bas. Jamais, jamais de la vie. Pourquoi? Parce que je regardais ça derrière ma télé. Je regardais ça derrière ma télé et je sais pas. Je sais pas, c'est... Fadili, Fadili, t'as gagné un prix. Ouais, pourquoi? Pour aller au Marrakech du Rire. Ah bon? Laisse-moi préparer mes valises, des maillots de bain. Non, je crois pas. Non, mais c'est... Franchement, c'était incroyable. Et le pire, c'est que quand j'y repense, ça m'a apporté beaucoup de choses. D'accord. En vrai, ça m'a apporté beaucoup de choses, comme j'ai dit. C'est que, étant donné que le public marocain n'est pas le public français, donc il a fallu que je m'adapte. Donc ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. Et surtout, je côtoyais des gens là-bas. Jamais j'aurais pensé les côtoyer. D'accord. Enfin, c'est bête, hein. Mais tu vois, par exemple, jouer avec des Franck Dubosc, des Elie Moon, même juste parler avec eux, etc. C'est pas mes idoles non plus, oui. Mais c'est quand même des gens qui ont une vraie expérience. C'est des personnes du milieu qui sont là depuis longtemps, donc qui connaissent vraiment. Et de me dire que là, je suis là et que je peux les toucher un peu pour apprendre, bah c'est franchement top. C'est top en vrai. Et puis... Ma question, tes principales inspirations, toi, pour tes sketchs? Je dirais que c'est mon vécu. C'est tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, que ce soit de ma naissance à mon adolescence et aujourd'hui à ma pré-adolescence, je crois que ça se dit ça. C'est un peu tout ce qui se passe au quotidien. C'est les rapports que j'ai avec les gens, c'est... ce que je vois par rapport aux autres, parce que je suis un peu une maquerelle aussi, il faut se dire. Et c'est ce qu'il y a aussi dans les médias, l'actu. Franchement, c'est un peu de tout. J'ai pas vraiment quelque chose de précis qui m'inspire. Ça peut être tout. Hein. Même là, ce qui se passe là, ça va peut-être m'inspirer. Vous rappelez, je me suis interviewée, tout ça. Non. On sait jamais où est-ce que ça peut nous emmener. Donc non, c'est un peu de tout. Je dirais que c'est la vie.
en général. Pour faire la vie en général, okay. Pour faire simple. Donc ton dernier post Instagram concerne l'affaire Adama Traoré et le jugement justement de ses frères Baggy et Youssouf. Donc aurais-tu un mot à partager avec nous à ce sujet? Alors franchement, il y a un mot, c'est très dur parce que j'ai tellement de choses à dire. C'est le seul moment où j'ai pas envie de rire. Franchement, il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Si je dois dire un mot... Non, plusieurs, mais n'hésite pas, c'est juste partager un message en fait. Ouais, c'est faut qu'on se soutienne, faut pas lâcher l'affaire. Alors c'est vrai que moi je fais pas forcément partie de leur famille, même si pour moi je pars du principe que voilà, qu'on en est tous une, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Je pense que c'est facile de parler de loin, c'est plus difficile d'agir, mais je pense vraiment que faut qu'on se soutienne tous, et surtout faut pas qu'on laisse ça sous silence, parce que ça existe depuis longtemps, il y a ça depuis longtemps, mais là clairement c'est la foi de trop. C'est la foi de trop. C'est beaucoup trop, et je trouve ça vraiment injuste. Donc mon mot, c'est allons jusqu'au bout, parlons-en. S'il faut aller manifester, ben on ira manifester. Et voilà, il faut en parler sur les réseaux et suivre l'actu. Et surtout, ne pas avoir peur de dire les choses. Parce que je pense qu'on a peur de ça aujourd'hui. On a peur de dire les choses, on a peur d'être jugé par... Ouais, mais si je dis ça, peut-être que moi, j'aurais pas ça. Peut-être qu'on va me dire ceci, cela. Donc voilà, pour ma part, en tout cas, je fais le choix de ne plus rien dire. Et voilà, je pense qu'il faut ouvrir notre gueule. C'est le moment de le dire. C'est le moment. Toi qui es passé d'un BTS à la scène humoristique du jour au lendemain, as-tu un conseil justement à donner à nos abonnés? J'ai été jusqu'à la licence. Bac+3, que dis-je? Vous avez entendu? Le conseil que je peux donner, c'est... c'est un peu basique. C'est croire en ses rêves, mais c'est pas que ça en vrai. C'est plutôt tenter. Faut jamais avoir peur, peu importe... Peu importe ses peurs, peu importe ses craintes, bon c'est le même mot, mais peu importe tout ce qu'on pense qui peut nous retenir, faut y aller. Même si t'es pas sûr d'aller, même si t'es pas sûr de pouvoir faire ce que tu veux faire vraiment, essaye, parce qu'on sait jamais. Même des trucs que t'as pas forcément envie de faire, si tu penses que voilà, il y a peut-être quelque chose à prendre, faut le faire. Faut le faire parce qu'on sait jamais au final ce qu'il y a. Et je pense que sur ce point-là, j'en suis la preuve, parce que comme je l'ai dit, moi je voulais pas du tout être humoriste. Je regardais le Jamel Comedy Club. Moi, les seuls humoristes que je connaissais quand j'étais plus jeune, c'était Muriel Robin, j'aimais trop. Non, vraiment, Muriel Robin, j'aimais trop. Des vrais comiques pour moi, les comiques, ils étaient pas forcément sur scène. Je les voyais dans les visiteurs, tout ça. En grandissant, il y a eu le Jamel Comedy Club avec Patson, Thomas Dijol, Amel Chabi. Et au final... c'est une dinguerie, les gars. Franchement, c'est trop bien. C'est vraiment ouf. Quels sont tes projets futurs? Alors, moi, mes projets futurs, c'est très simple. Là, dans l'immédiat, c'est mon spectacle. Là, je suis à fond dedans. Donc, parce que j'ai quelques mois là pour le sortir. Et donc, c'est vraiment mon spectacle et ma chaîne YouTube que je suis en train de développer en cachette. Oh, c'est plus une surprise? Oh non! Et voilà, ma chaîne YouTube et mon spectacle. Voilà. Ok, donc ton spectacle qui sera disponible? Normalement d'ici fin janvier ou février, on est en train de voir encore avec la prod. Et voilà, j'ai pas encore de titre, me demandez pas. The fuck does that mean? You mean nigga, we ain't worried about nothing. La définition à moi de bias media, alors je vais le redire, ma définition à moi de bias media, c'est par nous, parce que bias en anglais, en français, ça veut dire par nous. Donc voilà, les médias vus par nous. Vous voyez ce que je veux dire? Pas par les autres. Parce qu'il y en a qui racontent de la pip. Tu vois ce que je veux dire? Donc les médias par nous. C'est ça. Bah, merci beaucoup en tout cas, Fajdi Camara. Moi, vous avez juste à me demander, moi je suis là, c'est mon métier. Faites-moi rire, bouffon. Je suis prête. Bah, merci à tous et restez connectés. Franchement, faites pas les radins. Quand il y a le spectacle, venez aussi. Hein. C'est pas ma prod, elle m'appelle, elle me dit, Fajdi, il n'y a pas de Reza, venez. Message reçu. Merci à tous.